Une fois, il y avait un bûcheron avec deux enfants et leur belle-mère. Le nom du garçon était Ansel, et le nom de la fille était Gretel. Ils vivaient si mal que parfois, il n'y avait même plus rien à manger. Et puis un soir, il se coucha dans son lit, se demandant comment nourrir davantage les enfants. Sa femme lui a conseillé d'avoir des enfants dans la forêt, d'allumer un feu, de donner un morceau de pain à chacun et de les laisser là. Tous les quatre ne meurent pas de faim. Mais le bûcheron n'était pas d'accord. Et jusque-là, sa femme l'a persuadé qu'il était finalement d'accord. Et les enfants, à cause de la faim, ne pouvaient pas dormir non plus et ont entendu tout ce que leur belle-mère disait à leur père. Et quand les parents se sont endormis, Ansel s'est secrètement précipité hors de la maison. La lune brillait et les pierres blanches brillaient comme des pièces de monnaie. Ansel en a empoché autant qu'il pouvait. Puis, il est rentré chez lui et les enfants sont allés se coucher. Le matin, la belle-mère est venue vers les enfants, leur a donné à chacun un morceau de pain, et ils sont tous allés ensemble dans la forêt. Sur le chemin, Ansel a jeté des pierres blanches une à une. Quand ils sont arrivés à la clairière, mon père a commencé à allumer un feu. Il a ordonné aux enfants de s'asseoir près du feu et de s'assurer qu'ils ne s'éteignent pas, pendant qu'eux et leur belle-mère iraient chercher plus de bois de chauffage. Ils s'assirent, fatigués et s'endormirent. Quand les enfants se sont réveillés, c'était une nuit noire tout autour. Et quand un mois complet s'était levé dans le ciel, Ansel prit sa sœur par la main et partit, cherchant le chemin à travers les cailloux, qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve, et leur montra le chemin. Ils ont marché toute la nuit. À l'aube, ils sont venus chez leur père. Un certain temps passa. Et les enfants ont de nouveau entendu comment la belle-mère a commencé une nuit à supplier leur père de se débarrasser des enfants. Il a refusé, mais sa femme ne voulait pas l'écouter, elle l'a maudit et lui a exprimé toutes sortes de reproches. Lorsque les parents se sont endormis, Ansel, comme la dernière fois, a voulu ramasser des pierres, mais sa belle-mère a verrouillé la porte et le garçon n'a pas pu quitter la maison. Tôt le matin, les enfants ont reçu un morceau de pain chacun, encore moins que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Ansel déchiqueta son morceau dans sa poche et jeta les miettes par terre. La belle-mère les a emmenés encore plus loin dans la forêt. Encore une fois, un grand feu a été allumé et le père a ordonné aux enfants de regarder le feu pendant qu'eux et leur belle-mère coupaient encore du bois. À l'heure du déjeuner, Gretel partagea son morceau de pain avec Ansel. Et ils se sont endormis. Nous nous sommes réveillés lorsque la nuit noire est tombée. Et puis un mois est arrivé et ils se sont réunis sur leur chemin, mais ils n'ont pas pu trouver une seule miette, parce que des milliers d'oiseaux flottant dans la forêt avaient depuis longtemps mangé ces miettes. Les enfants ont donc marché très longtemps, mais ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. Soudain, la route les a conduits à la cabane. En s'approchant, les enfants ont vu que la maison était entièrement faite de pain et de biscuits, et que les fenêtres étaient en sucre pur. Ansel tendit la main et cassa un morceau du toit, tandis que Gretel s'approcha de la fenêtre et commença à ronger ses fenêtres. Et puis la porte de la hutte s'est ouverte en grand, et la vieille femme est sortie, appuyée sur une béquille. Ansel et Gretel avaient tellement peur qu'ils ont même laissé tomber leurs friandises de leurs mains. Et la vieille femme a été gentille et les a invités à sa hutte. Il y avait déjà de la nourriture abondante sur la table, du lait, des biscuits, des pommes et des noix. Après le dîner, la vieille femme fit deux lits propres pour les enfants, et Ansel et sa sœur pensèrent qu'il était au paradis. Mais la vieille femme prétendait seulement être affectueuse, mais en fait c'était une méchante sorcière qui construisit sa cabane à pain dans ce but afin d'attirer les enfants. Tôt le matin, pendant que les enfants dormaient, elle prit Ansel et le mit dans une petite cage. Et elle a ordonné à sa sœur de faire tout ce que la méchante sorcière exigeait d'elle. La vieille femme décida d'engraisser le garçon pour le manger plus tard. Gretel a donc commencé à cuisiner les plats les plus délicieux pour Ansel, et elle-même n'a eu que des restes. Un certain temps passa, et le garçon ne grossit pas. Puis la vieille femme ne voulut plus attendre et décida de cuisiner et de manger Ansel. Elle a ordonné à Gretel d'allumer le poêle et d'appliquer de l'eau. Lorsque le poêle s'est réchauffé, la vieille femme lui a ordonné de monter dans le poêle et de voir s'il faisait assez chaud. Elle a donc voulu pousser la fille dans le feu et la faire cuire. Mais Gretel savait ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment y entrer et a demandé à la sorcière de se montrer. La vieille femme s'est fâchée et est montée dans le four.
Puis Gretel la poussa et fit claquer le volet derrière la sorcière. Waouh ! Comme la vieille femme hurlait alors. Gretel, quant à lui, se précipita vers Ansel et ouvrit la cage. Après avoir libéré leur frère, ils sont allés dans la chambre de la sorcière, dans laquelle il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses dans tous les coins, en ont rempli leurs poches et sont rentrés chez eux. Pendant plusieurs jours, les enfants cherchaient le chemin du retour. La forêt leur parut de plus en plus familière, et enfin ils virent au loin la maison de leur père. Comme il était heureux de voir ses enfants vivants, Ansel et Gretel versèrent sur le sol toutes les perles et pierres précieuses qu'il avait prises à la sorcière. Il n'y avait pas besoin de penser à la nourriture. Et ils ont commencé à vivre et à se réjouir. Et le père a chassé la méchante belle-mère de la maison. Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leur porte avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour. Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses. Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leur porte. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables. Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison.
Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.